et songez qu'il n'est d'affaire plus difficile, plus dangereuse à manier, plus incertaine de son succès, qu'entreprendre d'introduire de nouvelles institutions. Car le novateur a pour ennemi tous ceux que l'ordre ancien favorisait, et ne trouve que de tièdes défenseurs chez ceux que ne favorise pas encore l'ordre nouveau. Leur tiédeur vient en partie de la crainte des adversaires qui ont les lois pour eux, en partie du scepticisme naturel aux hommes. Ils ne croient pas volontiers aux nouveautés tant qu'ils ne les ont pas touchées du doigt. Il s'agit d'un peuple qui, pendant longtemps, s'est contenté, pour ainsi dire, de se faire oublier pour survivre. Puis, il s'est dit que, pour durer valablement, il faut aussi s'affirmer. Et ensuite, que pour bien s'affirmer, il peut devenir souhaitable et même nécessaire de s'affranchir collectivement. Il est donc arrivé, il y aura un an dans quelques jours, qu'un parti soit porté au pouvoir dont la raison d'être initiale est toujours centrale, justement l'émancipation politique. Il est donc de plus en plus assuré qu'un nouveau pays apparaîtra bientôt démocratiquement sur la carte. Là où jusqu'à présent un État fédéral aurait bien voulu n'apercevoir qu'une de ses provinces parmi d'autres. Il faut examiner si le réformateur a le pouvoir de s'imposer ou s'il dépend d'autrui. Autrement dit, si pour mener à bien son entreprise, il compte sur ses prières ou sur sa force. S'il n'a que ses prières, il est inévitablement voué à la faillite. Mais s'il dispose de la force, sa réussite est assurée. Voilà pourquoi tous les prophètes armés furent vainqueurs, les prophètes sans armes, écrasés. Le patrimoine ou l'idéologie que les différencie, les hommes, depuis toujours, entretiennent trois aspirations fondamentales : la paix, la sécurité et la liberté. Ils ont fini par former l'étoffe même du Canada. Car vous vivez en paix, vous jouissez d'un niveau de vie supérieur à celui que connaît 92% de la population mondiale. Et vous appartenez à une démocratie où fleurissent les libertés civiles et les droits de la personne. Et de plus, vos diversités culturelles dilatent encore vos possibilités d'épanouissement. L'une des plus grandes richesses du Canada est en effet celle d'avoir, non pas une, mais deux traditions, la française et la britannique. Sur quelques 2000 kilomètres, du nord au sud et plus de 1500, de l'est à l'ouest, le Québec, physiquement du moins, est la plus grande des contrées du monde dont la langue officielle soit le français. Plus de 4 sur 5 de ses habitants sont d'origine et de culture française. Hors de l'Europe, nous formons donc la seule collectivité importante qui soit française de souche.
alliance avec un prince, que son éloignement, son incapacité ou toute autre raison empêche de vous porter secours, vous rapporte plus de bruit que d'effet. Pour nous, Québécois, en tout cas, c'est littéralement du droit de vivre qu'il s'agit. Et cette exigence ne nous apparaît pas seulement naturelle et normale, ce qu'elle est à l'évidence, mais très clairement inscrite aussi dans un mouvement universel. Contre le risque de nouvelles hégémonies, contre le danger de domestication des esprits et de folklorisation des cultures, la véritable chance d'un nouvel humanisme mondial, s'il en est une, doit passer par l'apport original et constructif des personnes nationales dont nous sommes. En Amérique, où nous avons tenu le coup pendant pas mal de temps, notre échec ou notre succès peut même préfigurer, pour le futur, le succès ou l'échec d'autres peuples, également aux prises avec le mal et la rage de vivre, et qui cherchent aussi leur voie. Quant au changement à opérer tout à coup dans la Constitution, lorsque chacun reconnaît qu'elle ne peut plus servir, je dis que, quoique généralement ressenti, son défaut n'en est pas moins difficile à réformer. Les moyens ordinaires ne suffisent plus. Ils nuisent même dans les circonstances. Il faut recourir à des mesures extraordinaires, à la violence, aux armes. Il faut avant tout se rendre maître absolu de l'État et pouvoir en disposer à son gré. La souveraineté, c'est le sentiment de fierté et d'accomplissement et de responsabilité joyeuse que ressentent infailliblement tous ceux qui, pour la première fois, entrent dans un foyer qui est bien à eux, qui leur appartient sans conteste, et qu'ils ont le droit de meubler, d'aménager et de décorer à leur guise. Le prince se trompera toujours s'il calcule ses forces, soit d'après ses ressources d'argent, soit d'après la situation de son pays, soit d'après l'affection de ses sujets. Tous ces avantages augmentent bien vos forces, mais ne vous les donnent pas. Ils ne peuvent vous servir sans le secours d'une armée à toute épreuve. Tous vos trésors ne sont rien sans de bonnes troupes. Québec a fait connaître sa proposition d'en arriver avec le reste du Canada à une nouvelle entente fondée sur le principe de l'égalité des peuples. Cette entente permettrait au Québec d'acquérir le pouvoir exclusif de faire ses lois, de percevoir ses impôts et d'établir ses relations extérieures, ce qui est la souveraineté. Et en même temps, de maintenir avec le Canada une association économique comportant l'utilisation de la même monnaie. Tout changement de statut politique résultant de ces négociations sera soumis à la population par référendum. En conséquence, accordez-vous au gouvernement du Québec le mandat de négocier l'entente proposée entre le Québec et le Canada. Des hommes, on peut généralement dire ceci.
Ils sont ingrats, changeants, hypocrites, ennemis des difficultés et amis de l'argent. Tant que tu soutiens leur intérêt, ils sont tout à toi. Ils t'offrent leur sang, leur fortune, leur vie et leurs enfants. Pourvu que les épreuves soient éloignées, si elles se rapprochent, ils se révoltent. Le prince qui s'est fondé entièrement sur leurs paroles, s'il n'a pas pris d'autres mesures, se trouve nu et condamné. C'est qu'enfin la vérité sort. On s'est fait emplir pendant 3 ans par les péquistes qui ont commencé il y a plusieurs années en disant « on est des séparatistes ». Puis ensuite, les gens n'aimaient pas ça, ils sont devenus des indépendantistes. Puis les gens n'aimaient pas ça, ils sont devenus des souverainistes. Puis après, les gens n'aimaient pas ça, ils sont devenus des souverainistes associés. Puis après ça, ils sont devenus d'égal à égal. On a commencé par les séparatistes, on a dit ça, ben, c'est dangereux, les gens n'aiment pas ça. Après ça, on a parlé d'indépendance. Oh, indépendance, c'est trop fort, les gens vont avoir peur. Après ça, on dit, ben, souveraineté. Ah oh, non, souveraineté, ils vont avoir peur de ça aussi. Souveraineté, association, même si les autres disent non. Et là, on est dans la confusion complète. Puis là, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent avoir un mandat. Ils veulent avoir un mandat. Qu'ils nous disent. Pourquoi faire? Pour nous faire perdre notre passeport canadien. Pour nous faire perdre notre citoyenneté canadienne. Un mandat pour que Trudeau soit le dernier Canadien français premier ministre du Canada. Un mandat pour qu'on se sépare de la richesse qui nous a appartenu dans le passé à travers le pays. Un mandat pour faire un petit pays dans un monde où les pays sont de plus en plus interdépendants. C'est ça qu'il faut regarder. C'est ça qui est la question. Voulons-nous, oui ou non, demeurer au Canada? C'est ça qui est la question. À travers tous les mots, les 3-4 paragraphes de préambule qu'ils ont sur la question, c'est ça qui est la question. Est-ce qu'on veut demeurer au Canada? Est-ce qu'on veut prendre notre place dans un pays qui fait l'envie du monde? Le prince, afin de s'attacher son ministre, le couvrira d'honneurs, de charges, de richesses. Gagnera sa reconnaissance, le persuadera qu'il ne peut se passer de ses services. Les honneurs, les richesses seront si abondants que le ministre ne pourra en désirer davantage. Les charges si hautes qu'il ne pourra que s'opposer à tout changement. Que voulez-vous, j'ai été ministre des Finances, ministre de l'Industrie, du Commerce, ministre, président du Conseil du Trésor, ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. Là, je suis un martyr, ministre des Affaires de la Justice, procureur général du Canada, ministre d'État et Développement social, responsable du dossier constitutionnel. Voyons donc, pas nous autres qui ferment les portes à Ottawa, puis essaient de nous faire croire qu'on est des martyrs. Le Parti québécois veut entraîner le Québec dans la voie de la séparation politique, de l'indépendance politique, pure et simple, mes chers amis. Qu'ils veuillent le faire dans une étape, dans 2 étapes, dans 3 étapes, cela n'a aucune espèce d'importance. Qu'on soit conduit vers la séparation politique dans l'espace de 6 mois, 1 an ou 2 ans, c'est la même chose. La question du PQ est un piège pour mieux prendre la population du Québec, car ils savent, comme vous et moi, que 80% des Québécois ne veulent pas se séparer du reste du Canada. Puis parce qu'ils savent ça, ils veulent nous pogner autrement, en nous faisant dire oui à une question tortueuse, truqué et malhonnête. Pense aux trappes à souris que j'étendais quand j'étais petit gars. Hein? Quand on faisait un couvrir la trappe, il n'y a pas une souris qui se pognait. Mais on mettait du fromage dessus, puis on les pognait toutes. Ben eux autres, ils ont ouvert la trappe à souris, puis ils ont mis du fromage dessus, dans l'espoir qu'on ne voit que le fromage, puis qu'on ne voit pas la trappe à souris. Mais on la voit, nous autres, la trappe à souris. Puis on va dire non le 20 mai prochain. Moi, je dis qu'il n'y a aucun risque. Et pourquoi? D'abord, par la nature de la question elle-même. La nature de la question qui demande un mandat de négocier qui ne sera suivi d'aucun changement sans un second référendum. Et c'était reprécisé par l'amendement de Rodrigue Biron, qui est avec nous maintenant, qui est ancien chef de l'Union nationale, qui fait campagne pour le oui, que ce qui va s'ouvrir
à la suite d'un oui, c'est une phase de négociation et non pas de changement. Les changements ne survenant qu'après un deuxième référendum qui portera sur l'entente nouvelle qu'on aura fait avec le reste du Canada durant ces deux ans, trois ans de négociation. On n'est pas pressé. Ça fait 117 ans qu'on vit le même vieux régime. Ça vaut la peine, si on veut changer, de faire les choses avec grand soin, donc deux ou trois ans, et faire approuver par la population. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a aucun risque. C'est comme si on disait, Samson, tu vas monter au 10e étage d'un édifice, puis tu vas te jeter dans le vide. Je vais dire, hey, imbécile, voyons donc, je ne ferai pas ça. Mais non, gêne-toi pas, il n'y a aucun danger. Lance-toi dans le vide, puis quand tu arriveras vers le 5e étage, si tu as trop peur puis tu n'aimes pas ça, on amendera la loi de la gravité puis tu remonteras. Monsieur Morin, moi je suis une ancienne employée de Radio-Canada. Maintenant, c'est drôle que vous... Plus près du micro, s'il vous plaît, madame. Pardon? Voilà. Ben, c'est drôle que vous ne parlez pas des employés de Radio-Canada. Qu'est-ce qu'il adviendrait si c'était un oui? Qu'est-ce qui va arriver le lendemain de nous? Vous savez, monsieur, oui, je vais vous monsieur répondre, Morin, madame. Je suis content que vous posiez la question. Il y a 4000 employés, oui, oui. 1000 surnuméraires, ça fait 5000. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gens-là? Bien, je vais répondre. Le lendemain du oui, madame, aux employés de Radio-Canada, aux employés du Canadien national, aux employés du gouvernement fédéral, aux employés des postes, à qui que ce soit qui soit employé par le gouvernement fédéral, directement ou indirectement, le lendemain du oui, c'est-à-dire le 21 mai, il n'y a rien qui arrive, ni le 22, ni le 23, ni le 25, ni le 15 septembre. La raison, c'est la suivante, et ça, il faut que ce soit clair. Nous demandons un mandat de négocier sur une base que nous appelons l'égalité des peuples. Ça n'est que lorsque la négociation sera terminée, lorsque les ententes auront été établies, que là, il y aura rapport à la population du Québec et un second référendum, et entre-temps, tout ce qui doit arriver à tout chacun aura été connu, su, évalué. Les ententes auront été établies. À ce moment-là, il n'y aura pas de problème et ça sera le second référendum. Donc, le lendemain du référendum, il n'y arrive rien, madame. Mais votre génération, vous, ils n'ont jamais fait de là, madame a fait passer un pays, c'est deux choses. On ne casse pas un pays. Oui, madame. On dit oui à un renouveau. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, casser un pays? C'est un renouveau, madame. C'est quoi, casser un pays? C'est la séparation du Québec, si vous voulez. Est-ce que la Suède... C'est la séparation du Québec. Le Canada, c'est un pays, ça ne fait pas peur. Ben, madame, je suis bien, moi, je suis heureuse, moi, ici. Mais vous êtes au Québec, madame. Mais le Canada, là, c'est effrayant, il est séparé des États-Unis. Le Québec, le Canada, il est séparé des États-Unis, c'est effrayant. Nous sommes un pays, le Canada. Il est indépendant, c'est épouvantable, le Canada. Madame, c'est un pays, le Canada. Bon, puis alors, c'est pas mauvais, ça, un pays. Québec, c'est pas un pays. Québec, c'est une province. Ah, ben, c'est une province. Une province qui est dominée par 9 autres provinces. Alors, quand elle aura ses pouvoirs, madame, est-ce de votre faute? Est-ce de ma faute à moi si nous sommes des Canadiens? Non, c'est de la faute du fédéral qui a assimilé nos francophones parce qu'il n'y avait pas de job au Québec. Ben, madame, si pour monter l'histoire du Canada, on va remonter à Jacques-Cartier. On va remonter à Bigot. On va remonter à Bigot. Venez de me dire, c'est la place. Qu'est-ce qu'il a fait de nous? Je demande si tu es porteur d'eau. Je vous dis, la faute, c'est que le système actuel, comme les jobs sont porteurs d'eau. Madame de Radio-Canada, allez donc parler à la dame là, qui dit qu'en effet, le fédéral nous a donné des milliards. Mais des milliards en bien-être social puis en chômage. Ben, madame, regardez qui vote. C'est le nom des présidents de compagnie. Qu'est-ce qu'on donne le fédéral à Québec? Ils disent pas qui, ça. Qui les dépose donc, les fameux chiffres? Vous prenez de l'argent. Ils ne savent pas compter. Si on est si quêteux que ça, chère madame, si on est si quêteux qu'ils nous fichent la paix puis qu'ils nous laissent s'arranger. Ils en donnent des jobs. Pourquoi est-ce qu'ils en donnent pas des jobs? Vous en donnez à vos adversaires. Vous qui en donnez des jobs. Vous vous donnez des cadeaux comme ça gratuits à tout le monde qui tend la main? Non. Hein? Mais si le fédéral passe son temps à nous donner de l'argent, qu'ils nous fichent la paix, on va s'arranger tout seul. À eux de l'utiliser. Qu'ils gardent leur argent. On n'en veut pas de leur argent. Mais non, c'est tout. C'est les tout qui se passe, là. Monsieur Davis, Monsieur Pierre Burton viennent brailler au Québec et disent « It's my country ». Depuis quand c'est leur country? C'est pas ma country, moi, en Ontario. Monsieur Davis, viens ici. Allez-y en Ontario, puis battez-vous pour les francophones. On va voir ce qu'on va vous faire. Ils vont vous passer au fusil. Allez-y, chère madame. Ben non, allez-y. Je vais vous payer le voyage. Je vois qu'on vous a bien bourré. Je vais vous payer le voyage. On va bourrer, on ne jette pas. Je n'ai pas besoin de vous, madame. Je n'ai pas bien
d'investissements au Québec que partout ailleurs. Déjà, il y en a qui m'ont sorti leur argent. Il y en a d'autres qui investissent, ils l'ont sorti leur argent. J'en connais qui l'ont sorti leur argent. Oui, pas savoir. Moi aussi, j'en connais. Mais si vous regardez les statistiques d'investissement au Québec, il y a plus d'investissements au Québec qu'ailleurs au Canada. Laissez-moi finir. Mesdames et messieurs, le combat du référendum. Mesdames et messieurs, c'est 4 rondes de 2 minutes. Vous avez dans le coin rouge, à 160 livres exactement, mesdames et messieurs, M. André Louis Bourgeois. Non! André! Non! Mesdames et messieurs, dans le point bleu, pesant 178 livres, Réginald Louis Chartrand. Pas longtemps qu'il est pour le rouge. Des années. Pas vrai, ça, Régis? T'es pour le oui. Moi, je suis pour le non. 4 ans de 2 minutes, l'arbitre Jean-Claude Leclerc. J'ai hâte de voir le gars qui va représenter le non. Pour moi, ça va être un petit vieux. Ça garantit que c'est un petit vieux. Set it back, do you think? No, it will keep it that way. It will be no. All the way. We have to run against the wind, sir. It's always like that in the life. So I deserve it because I asked for this fight, and I hope that... Max, you have to keep the box. You have to keep the box. You have to keep the box. Il a toujours regardé de la boxe, souvent. Il a regardé ça souvent à télévision. Bien, je voulais que ça dure le moins longtemps possible, parce que le moins longtemps possible, pour moi, c'était le moins de chances de me faire couper, de me faire blesser. À part ça, quand ça avait 25 ans que tu t'es pas battu, tu peux donner un coup de poing et te briser un pas. Si tu te brises une main, tu peux plus te battre, je veux dire. Bien, en se protégeant, il s'est donné un black eye, qui veut dire quand Roger était pour le frapper, il a mis ses mains comme ça, puis il l'a fait trop fort, puis il s'est donné un black eye. Mais ce que je voulais dire dans mon affaire, c'est que moi, je veux montrer aux Québécois qu'il faut prendre des risques. Jamais rien nous est tout donné dans la vie gratuitement. Moi, j'ai pris un risque de perdre ça, mais c'est un risque calculé, mais je l'ai pris, le risque. Puis quand les Québécois auront voté oui, bien, ils prendront un risque. Puis ils voteront oui, puis ils voteront pour eux, puis ils voteront pour leur patrie. C'est bien certain qu'il y a des petits risques à prendre. Mais je pense que le risque au niveau du oui au référendum, c'est un risque qui est tout à fait minime, à comparer avec un risque de boxer dans l'arène, par exemple. Ça se prend. Ça se prend. C'est bien important que ça se prenne. C'est bien important que les Québécois savent que ça se prend. Aïe, aïe! Tu m'as les noces? Ah ouais, écoute. Nous autres, les Québécois, il y a une chose qu'on doit faire. On doit s'aimer entre nous. Savez-vous pourquoi? On doit s'aimer par nécessité. Parce qu'on ne s'aime pas entre nous, personne ne va nous aimer.
Nous, on doit voter pour nous, les Québécois, pour une fois. C'est ça, le oui au référendum. C'est ça, pour que la nation québécoise comprenne en entier. Les hommes sont toujours hostiles aux entreprises dans lesquelles apparaissent de grandes difficultés. Le seul chemin dans la vie, c'est le chemin difficile. Le chemin facile, c'est le chemin des imbéciles. On n'a pas le droit, nous, Québécois, de choisir le chemin facile. Dans nos pantoufles, restez assis puis attendre, là. On a quelque chose à faire. On a une patrie à donner à nos enfants. Pas ceux-là qui vont suivre après nous. Il y en a qui ont semé pour nous, puis nous, on doit semer pour d'autres. C'est ça l'important dans notre lutte, dans notre bataille. Ben, le référendum, là, on m'a dit, de quoi, là, si on se pose un sur le principe de la question n'est pas compliquée. C'est là-dessus qu'il faut voter oui ou non. T'sais, c'est pas une question de savoir si. Moi, de gars, on a une appartenance à quel parti, ben non, si on vient de quelle nationalité, puis si on est vraiment Québécois-Canadien, ben non, c'est ainsi, c'est ça, c'est pas ça, c'est de dire, on donne un mandat au gouvernement d'aller à Ottawa pour négocier une nouvelle entente, qui va faire que le Québec va se sentir mieux chez eux que dans le Canada actuellement. Tu sais, parce que, moi, de gars, on voit rien qu'à voir aller ça, puis on s'aperçoit que c'est vrai que le Canada nous a mis l'UN avant rien. Fait que là, moi, de gars, on part là-dessus, puis on se dit, ben maudit, c'est simple, on a qu'à dire oui. Hein? On a un paquet de raisons de dire oui. Hein? Parce que mon nom est Québécois, hein? Parce que mon nom c'est IT Corporation, parce que mon nom est Cadbury, parce que mon nom est Sun Life. Fait que vraiment, moi, autant dire oui, moi. Mais c'est tous ces beaux dix facteurs-là qui font que la gang d'anglophones, que la gang de ceux qui ont de l'argent, les capitalistes, tout le kit, m'a dit, puis tout le Canada, à bord de ça, sont tous sur le dos du Québec. T'imagines-tu, David et Goliath, en fait, là. Tu vas avoir un peu l'idée de chose, c'est David et Goliath. Mais si on se fait à l'histoire, c'est David qui a gagné. Hein? D'autres. Moi, je me base là-dessus, puis je me dis que si les Québécois changent, modifient un peu leur mentalité, qu'ils cessent de penser qu'à s'amuser, qu'ils décident une fois pour toutes de prendre le bœuf par les cornes comme il faut qu'ils aient pris, sans le menacer, voilà, sans le bourrasser, juste dans la lignée d'aplomb, puis envoyer par là, t'as pas à t'inquiéter si on a du potentiel en 6 mois. Nulle part dans le monde, il y a une population équivalente d'autour de 6 millions d'habitants, de gens, qui ont fait d'un progrès, des progrès polyvalents aussi rapides, d'une telle ampleur et d'une telle totalité, capacité de tout faire ce qu'il faut faire pour se développer, nulle part dans le monde comme au Québec. Je veux savoir par qui qu'on se fait fourrer, tu sais. Savoir par qui qu'on se fait fourrer. Tu fais-tu fourrer par Québec, m'a dit un gars, qui ne prennent pas de responsabilité, hein, qui se laissent manœuvrer par Ottawa. On se fait-tu fourrer par Ottawa, qui ne prend pas vraiment ses responsabilités et qui n'est pas juste équitable pour toutes les provinces. Par qui? Puis indépendamment, là, à ce moment-là, des individus qu'il y a dans un ou dans l'autre. Hein. À date, on a au moins, depuis à peu près 4 ans, là, un gouvernement qui a pris des engagements qui s'en est tenu. T'sais. C'est sûr que n'importe quelle loi, ça ne fait pas toujours l'affaire du monde, mais si on analyse l'ensemble des progrès, ben, dis-moi, les gars s'en vont d'une façon positive. Okay? Puis je me dis en moi-même, j'aime mieux faire confiance à un gouvernement semblable dans l'avenir que de faire confiance à des gouvernements semblables à ceux qu'on avait avant 76. Ben, dis-moi, qui... Si tu faisais pas fourrer par un, tu faisais fourrer par l'autre, d'une manière ou de l'autre, t'as tout, me dis-moi, t'as pas rien. Hein? En tout cas, moi, pour un, je vous le dis comme ça, j'ai assez confiance dans cette confiance en nous que j'ai sentie depuis le début de la campagne, que je commence à avoir confiance aussi qu'on va gagner le 20 mai. Alors, lâchez pas. Les soulèvements d'un peuple libre lui sont inspirés par l'oppression qu'il subit ou par celle qu'il redoute. Si ces craintes sont peu fondées, il faut avoir recours à des assemblées où la seule éloquence d'un homme de bien lui fait sentir son erreur. Les peuples, dit Cicéron, quoiqu'ignorants, sont capables d'apprécier la vérité quand elle leur est présentée par un homme qu'ils estiment digne de foi. Bonjour, M. Trudeau. Salut, comment ça va? On a des bons rouges, hein? Oui, on a des bons chocolats. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour. Merci. Salut. Ça va bien? Les gens de la ville de Saint-Hyacinthe? Oui, c'est bien ça. Bonjour, madame. Bonjour. Ça va bien avec Marcel, hein? On parle fort, on parle fort.
Le prince a un besoin absolu de l'affection populaire. Sinon, il n'a aucun recours en ses adversités. Vous nous direz ça le 22, qu'est-ce que c'est? Oui, hein? Allô, allô, comment ça va? Good. Voilà. Jacques. Attends, hein? Jacques. Ah, ça s'attend. Il nous donne un bon coup de main, Jacques. Je suis content de voir. Est-ce que vous habitez ici? Oui, c'est bien. Très bien. Par-dessus tout, un prince doit s'ingénier par ses actions à obtenir le renom d'homme exceptionnel, en dimension et en intelligence. C'est au moment où le Québec devient adulte, au moment où le gouvernement Jean Lesage a fait entrer le Québec dans l'ère moderne, au moment où le Québec a des jeunes technocrates, a des jeunes scientifiques, a des jeunes personnes dans tous les domaines, dans le domaine athlétique, c'est encore les meilleurs aux Jeux du Canada, dans le domaine du sport, dans le domaine de la culture, dans le domaine de la littérature. C'est au moment où le Québec est en pleine possession de ses moyens que nous autres, on va lâcher ce pays-là parce qu'on a peur de la concurrence. Alors non, ils ne nous ont pas regardé. C'est à ce moment-là, au contraire, qu'on va dire ce pays-là que nos ancêtres ont découvert, qu'ils ont exploré, qu'ils ont colonisé et qu'ils l'ont fait contre vents et marées, contre un climat épouvantable, qu'ils sont établis à des distances très lointaines, qu'ils sont battus comme minorités, qui ont été déportés de l'Acadie, qui ont, se sont vus enlever des droits constitutionnels, comme le disait Jean Marchand, dans une province comme le Manitoba. Maintenant que le Québec devient adulte, maintenant qu'on commence à avoir des muscles, on va se retourner vers le nationalisme pessimiste, celui qui voit l'avenir en noir, celui qui n'a pas peur, celui qui a peur d'affronter l'avenir, celui qui veut lâcher ce Canada-là et dire « ben c'est à vous, messieurs les Anglais ». Ben pas nous autres, puis pas vous autres, j'espère. Un prince ne doit jamais déchoir. Il ne doit jamais céder de bon gré la moindre chose. Il ne cède qu'à la force. Sache que le chien a traité de manger d'autres ducs. Il nous a traité de manger d'autres ducs, on doit les traiter la même chose. Le peuple est souvent audacieux en propos contre les décisions de ses princes. Mais dès que vous les menacez d'un châtiment, les hommes se méfient mutuellement les uns des autres et courent obéir à qui mieux mieux. On n'est pas populaire avec tout le monde. Il y a des gens qui nous disent qu'on s'en va trahir le Québec à Ottawa. Ça nous fait pas peur. Ça nous a pas fait peur depuis 5 ans. Les hommes hésitent moins à offenser quelqu'un qui veut se faire aimer qu'un autre qui se fait craindre. Car l'amour est fait de reconnaissance. Un sentiment que les hommes n'hésitent pas à oublier, parce qu'ils sont méchants, dès que leur intérêt personnel est en jeu. Tandis que la crainte est faite de la peur du châtiment, une angoisse qui ne les quitte jamais. Et ça, mes chers amis, la raison pourquoi on n'a pas peur, c'est qu'on se sent appuyé par les gens du Québec. Et on sait que le Québécois, qui est fier d'être Québécois, est également fier d'être Canadien, puis c'est ça qui va montrer. Les hommes ne se plaignent jamais de suivre la routine des choses coutumières. De tout temps, il a été plus facile de maintenir des pouvoirs que d'en établir des nouveaux. Vous ici, c'est pour le nom en général. Hein. Les cultivateurs en général sont pour le nom. Ils sont pas. Le monde pense surtout à la séparation, que négociation, association, tu sais. C'est ça surtout qui est, que le monde peut penser un peu dans les alentours ici. Ça va nous mener où, ça? C'est
Là, on nous demande un vote pour négocier. Et puis après, ça va aller où? On aime bien notre Québec, on aime bien notre Canada, mais on ne voudra pas compliquer les choses plus qu'il faut. Jamais la multitude ne s'accordera sur l'établissement d'une loi nouvelle tendant à changer la constitution de l'État sans être fortement frappé de la nécessité de ce changement. Or, cette nécessité ne peut se faire sentir sans être accompagnée d'un grand danger. Le Canada, c'est un pays, le niveau de vie même est très haut, hein, autant que n'importe quel pays au monde. C'est pas tellement... Moi, j'aimerais pas savoir ça séparer. Tu sais, là, si... L'union fait la force, comme on dit, hein, peut-être. Le pétrole, c'est l'Alberta qui l'a. Nous autres, on a l'électricité. D'autres provinces, ils ont d'autres choses. Puis un ensemble, ça fait... C'est pas plus méchant. Ça peut être meilleur. Depuis 1974, mes chers amis, les calculs établissent que la part de bénéfices dont le Québec a joui au titre du pétrole seulement, a été de l'ordre de 8 milliards de dollars seulement, à même les profits de l'Alberta et de la Saskatchewan. Est-ce que nous sommes prêts à laisser aller tout ça demain matin pour le plaisir de dire qu'on n'aura plus seulement qu'un drapeau pour orner la vanité de certains ministres péquistes à l'avenir? Je sais que le gaz, là, ça va nous coûter, ça va monter leur double suite en partant, là. Le gaz, c'est une affaire qu'on sert à tous les jours, le gaz. On veut mettre du gaz dans tout. Ça fait que rien que ça peut nous mettre dans la rue. Rien que le gaz. Donnez un exemple que vous allez comprendre assez facilement. Vous avez un char qui a une tank de 18 gallons. Si vous êtes au Québec, à ce moment-ci, ça coûte 21 à 22 $. Ça dépend quelle compagnie vous choisissez pour remplir la tank en dollars du Canada. Vous prenez cette même voiture, vous allez remplir la tank aux États-Unis, l'autre côté des frontières, pas très loin d'ici, là. Pour la même tank, en dollars du Canada, ça va vous coûter 32 $ à 33 $ pour l'emplir. C'est une assez bonne augmentation. Et là, vous n'êtes pas encore rendu au prix international du pétrole parce que les Américains ne sont pas encore rendus au prix international du pétrole. Si vous allez voir nos chers cousins français, que Claude Morin aime bien, les socialistes à la Rocard et tout ça, bien, pour remplir le même tank à gaz, le même réservoir à essence, comme dirait M. Landry, ça coûte 66 $ et 70 sous. C'est ça qui est le prix international du pétrole. Puis là, je vous donne pas le prix en Italie, c'est pire. Et ça, ils vous disent pas ça. Ils disent que ça va venir un jour, le prix international. Bien, le plus tard possible, hein? S'il fallait que ça coûte 66 $ et 70 sous pour remplir votre tank à gaz de Chevrolet demain matin. C'est ça que ça veut dire, le prix international du pétrole. Et transposez ça pour chauffer votre maison ensuite. L'aveuglement des hommes est tel que, pour satisfaire l'envie du moment, ils ne pensent à aucun des malheurs qui s'en viennent. Qui a du pétrole? Or, ici, au Canada, on en a. On en a plus que la plupart des pays du monde. Seulement dans les sables bitumineux de la Tabasco. Il y en a plus qu'en Arabie Saoudite. Et ça, c'est seulement dans les sables bitumineux de l'Arthabasca. Je ne vous parle pas de la mer de Beaufort, je ne vous parle pas des îles de l'Arctique, je ne vous parle pas des huiles lourdes de la Saskatchewan et de l'Alberta dans le bout de Coal Lake et Lloydminster. Je ne vous parle pas de la côte la côte atlantique à Terre-Neuve ou la côte de la Nouvelle-Écosse où on a déjà trouvé du gaz et du pétrole. Puis ça, c'est à nous autres, ça! Puis là, les péquistes nous disent, laissez aller ça, pour avoir quelques bourgeois amis de Claude Morin comme ambassadeur du Québec dans quelques pays, dans des gros Cadillacs avec le fly de la province rentré dans l'autre. Mais qu'est-ce que ça donne au peuple, ça? Quand tu penses qu'il y a, en 68, en France, ils payaient la gasoline à peu près l'équivalent d'un dollar et cinq, à Paris, là, un dollar et cinq, en 68, nous, on l'a payé encore à 48 sous.
Fait dire, on avait la grosse voiture, puis tout ça, puis pas de problème. On a combien d'appareils de télévision chez nous? Fait dire, tu vas dire, ben oui, mais le gars de la rue Partenelle, il n'y en a pas trois appareils en couleur. Non, il n'y en a pas trois, mais il y en a au moins un en couleur. Puis il y en a peut-être une petite portative dans la cuisine, même si c'est plus un luxe, la télévision. Deux télévisions, c'est plus un luxe. Des radios transistors. Si tu as deux enfants qui ont deux oreilles chacun, tu as quatre radios. Je dis, c'est le même. C'est, hein? On vit dans un. Les trois boutons après ma manche d'habit, moi. Ça fait quoi, ces trois boutons-là? Je dis, un qu'un, parce que aussi belle, cet habit-là. Je dis, pourquoi qu'on. On a toujours été comme ça, les deux voitures, puis des fois la troisième voiture. Les Olympiques économie, épreuve internationale du coût de la vie. Ainsi, il paraît que chez nous, la nourriture est moins chère que dans autres pays. Heureusement. Comme ça, il doit nous rester un peu plus d'argent pour toutes les autres dépenses. Mais c'est pas tout, la nourriture dans une famille. Il y a le loyer, les vêtements des enfants, l'essence, le téléphone. Oh, c'est pas les comptes qui manquent à la fin du mois. Et que la vie est rendue chère. Indice international du coût de la vie en 1978. États-Unis, base 100. Le Canada se classe deuxième dans cette épreuve, ex-aequo avec le Royaume-Uni, et gagne la médaille d'argent. Par rapport au Canada, le même standard de vie coûte 40 % de plus en France, 50 % de plus en Suisse et 60 % de plus au Japon. Le Canada est un des pays industrialisés où le coût de la vie est le moins élevé. Je me demande comment ils font des autres pays. Oh, moi, j'aurais pas les moyens de vivre ailleurs. Le Canada, une bonne performance. D'après moi, on ne pourra pas jamais arriver à le Québec séparé. On pourra tout remonter en double. D'après moi, tout va remonter. On a de la misère, comme c'est là, avec le Canada ensemble, tout remonte. Imagine-toi, Québec en seul. Moi, j'ai pour mon dire, c'est à peu près comme une chaîne de magasins Steinberg's. Si Steinberg's sera une plainte seule, ils ne pourront jamais vendre leurs produits moins cher. C'est parce qu'ils sont tous placés ensemble que ça fait qu'ils sont capables de mettre le prix bien moins cher. Puis le Canada, ça, c'est pareil. Le Canada, on est tous ensemble, on est capable de baisser le prix. Mais le Québec seul, on va être dans la rue, on va broyer. Hier matin, on était sur la côte du Pacifique avec ses montagnes encore enneigées et couvertes de forêts immenses qui plongent dans la mer du Pacifique. Et on a traversé les prairies, l'Alberta, comblée de richesses inouïes dans le domaine du pétrole et du gaz, la Saskatchewan, avec son huile lourde, son uranium, sa potasse, le Manitoba, qui est un des greniers du monde pour la production du blé et des autres grains, l'Ontario et le Québec, avec leur puissance hydraulique, inégalés au monde, leurs forêts immenses, leurs ressources en minerais de toutes sortes, les provinces maritimes avec leur charbon, avec les chutes de Churchill, avec la baie de Fundy, avec les forces marémotrices les plus puissantes au monde, et cette côte du Labrador avec un granit sur lequel viennent se briser les vagues de l'Atlantique. Et encore, je ne vous ai pas parlé du Grand Nord qui s'étend vers le pôle, la terre de Baffin, la terre du Mackenzie, le territoire du Yukon, avec un climat dur et rude, bien sûr, mais avec des Esquimaux, des Inuits, des Indiens et des Blancs qui sont allés là et qui sont en train de découvrir les richesses les plus extraordinaires. On annonce encore, il y a deux jours, une découverte de 3 trillions, 3 trillions, mes amis, de pieds cubes de gaz. Ça nous appartient, ça. C'est à nous autres, ça, c'est à nos enfants. Puis d'où vient qu'il y a des Québécois qui voudraient qu'on lâche ça? Comment se fait-il que vous ayez le même niveau que vos concitoyens de l'Ontario et de l'Alberta, mes chers amis? C'est parce que le Parlement fédéral va puiser dans la poche des citoyens les plus riches, des provinces les plus favorisées, des citoyens les plus riches aussi, et qu'il le transfère, ce surplus, à des citoyens qui l'ont mérité par leur contribution à l'édification de ce pays.
dans un chèque de supplément de la pension qui va à 60 % de tous les retraités québécois, il y a de l'argent de l'Alberta, de l'argent de l'Ontario, de l'argent de Colombie-Britannique. Un prince sage doit se conduire de telle sorte que ses concitoyens aient perpétuellement besoin de l'État et de lui-même. Ainsi, ils lui resteront fidèles longtemps. C'est une folie, monsieur. L'indépendance du Québec. Ce qu'ils veulent aller avec ça. Prenez les pensions, tout ça, ça vient d'Ottawa, ça. Là, pour la majorité. Là, vous pensez pas que Québec pourrait vous envoyer ça, les pensions? Oh, est-ce qu'il prendrait l'argent? Il n'y aura pas. C'est pas leur venue de la province de Québec qui payera les pensions, hein? Vous savez ça? Vous savez comme moi? Ah oui! Pas être revenu de la petite province de Québec qui payera les pensions? On peut continuer de rester avec le Canada, hein? Mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est le Canada pour vous? Dites-moi ce que c'est. Tout ce qu'on a aujourd'hui, tout ce qui nous revient, les pensions, les protéger un peu, surtout. Hein. Et vous pensez que le Québec pourrait pas vous donner ça? Je sais pas. Pourquoi pour rester pas le même? Si le Québec se séparait, même s'il rapatriait tous ses impôts, juste pour le social, il manquerait 680 millions. Il y a récemment, il y a le ministre Bégin qui a dit que possiblement... il n'y aurait pas d'indexation aux pensions. Alors, quelqu'un qui commence à avoir sa pension, si le coût de la vie continue à augmenter, pas d'indexation aux pensions. Pour les personnes âgées là, qui ont seulement la pension, pas d'indexation, qu'est-ce qui va arriver? C'est les péquistes qui vont leur fournir la différence, hein? Vous êtes certain de ça, hein? Ah, moi, j'ai pas confiance, pas du tout. C'est pareil comme quand tu pars un pays, tu commences dans le bas de l'échelle, puis ils vont montrer que tu es bien. Les pensions vont baisser, il y en aura peut-être, mais peut-être pas au même niveau, même salaire. T'as pas mal n'importe quoi. Parfois, qu'ils placent le monde, ils vont être en chômage. Au point de vue de l'allocation familiale, on a 5,65 ou 6,65, je pense, pour un enfant. Au provincial, puis au fédéral, nous en donne 18. Oui. C'est qu'on a, aux allocations familiales, 6 piastres et quelque chose du Québec et 18 du fédéral. Ça fait que si une personne a 5 cents d'intelligence, elle va aller sur le côté du fédéral, le fédéral donne bien plus. Oui. Si on se sépare, effectivement, c'est fini, ça, on ne l'a plus. Là, ça vient bien chaud pour la pension du vieillard qui a été augmentée récemment. Puis il y a les vieillards ont été augmentés de 35 $ par mois. Les anciens. Alors, comment le gouvernement du Québec va-t-il s'y prendre pour leur donner l'argent éventuellement que la pension des vieillards augmente pratiquement tous les 3-4 mois? Il y a tout une petite augmentation, mais elle est là. Elle est là. Bon, non, petite fille, là, qui m'a arraché, ça n'a pas de bon sens. Donc, bien, vous avez votre macaron, votre nom? Oh, mon Dieu, je comprends. Après tout, hein, c'est le fédéral qui lui donne à manger. Hein? Est-ce qu'on mord la main de celui qui nous donne à manger? C'est ça. Ceux qui portent le oui. La politique, ça vous influence à ce temps-là? Pas tellement. Votre choix est fait, vous? Pas mal. Bon, ça, je pense bien. Les gens qui ont de la maturité savent pour qui, où poser leur croix, hein, où faire la croix. Hein? C'est impossible qu'il y ait de l'argent à moins d'augmenter les taxes d'environ 15 % disent les économistes, pour payer le supplément des pensions, pour payer le crédit d'impôt enfant que d'ailleurs vous ne retrouverez nulle part. Puis là, je le dis aux mères de famille là, qui le reçoivent ou celles qui connaissent des femmes qui le reçoivent, nulle part dans le livre blanc du gouvernement péquiste, vous ne retrouverez la promesse de payer le crédit d'impôt enfant aux mères de famille. Mais quand même, c'est un chèque maintenant, le crédit d'impôt, de 218 $ non taxable par enfant par année. Pour le monde qui en a besoin, c'est ça l'idée même. Alors, moi, je trouve que c'est bien beau, ça, faire l'indépendance, mais l'affaire sur le dos du petit monde qui est mal pris, personne ne parle de ça. Il n'y a personne qui parle de ce qui arriverait aux assistés sociaux puis exactement au montant des prestations. Mais je ne pense pas, d'ailleurs, que si cette aventure qui nous est proposée, moi, je suis pour le non, donc... je considère que c'est une aventure. Moi, je peux me tromper, bien sûr, je peux me tromper en pensant que l'indépendance est la réponse pour le Québec, peuvent se tromper. Ça peut s'avérer un désastre
pour justement les gangs petits, le Québécois, la masse de la population qui soudain se verrait avec un niveau de vie beaucoup plus bas, peut-être avec une monnaie beaucoup moins stable. Par exemple, moi, je ne suis pas du tout persuadée que le Canada laisserait un Québec étranger profiter de la valeur de sa monnaie, qui est quand même quelque chose qui est basé sur une grande richesse, sur de la stabilité, de la sécurité, des possibilités d'avenir. Donc, on pourrait très bien avoir une monnaie québécoise, et on sait ce que c'est, une nouvelle monnaie qui démarre dans un pays qui démarre. Donc, il faudrait, si eux se trompent, il faudrait se serrer la ceinture, il y aurait beaucoup de pots cassés et ce serait, comme toujours, la masse de la population qui souffrirait. Si moi je me trompe, le pire qui puisse arriver, c'est que nous restions dans le statu quo. Or, moi je trouve que le Québec n'a jamais aussi bien vécu. Ça coûte 30 000 $ un traiteur comme ça, puis comme la batteuse à l'autre bout, c'est une machine de 60 000 $. Ça, c'est une machine de 12 000 $ pour faucher le foin. Là, j'en ai un de 30 000 $, j'en ai un autre de 45 000 $ dehors, ici. J'en ai un autre de 18 000 qui est au champ. Puis dans le cas, j'en ai un de 15 000. Ils sont presque tous neufs. C'est, une batteuse, c'est 60 000. Puis 9 jusqu'à 100 000. Consolidated earnings amounted to $98,357,000 against $42,526,000 for the previous year. These outstanding results are due to the excellent performance of three of the four main divisions of Canada Steamship Lines, the Investors Group, Great West Life, and Consolidated Bathurst. During the course of the year, two new appointments were made to the board. Mr. William E. Simon of New York, a former distinguished secretary of the Treasury of the United States, Mr. Simon is now a prominent businessman who has great experience in the international finance. Several portfolio investments were made since the year end. Votre compagnie s'est portée acquéreur de 2,3% des actions de la Compagnie financière de Paris et des Pays-Bas au coût de $20 million. Ce qui en fait un des actionnaires principaux. An investment was made in the shares of Reserve Oil and Gas. These shares were tendered to Getty Oil Company under the terms of the Getty offer to Reserve shareholders, and the gain from this transaction is reflected in our first quarter results. For the first quarter of 1980, the consolidated earnings of Power Corporation are $25,513,000 compared to $12,358,000 last year. This is equivalent to earnings of $1.11 per share compared with 47 cents in 1979. These results include extraordinary earnings of $8,875,000, of which the major portion is due to the sale of Reserve Oil and Gas. Il n'est pas de république, de quelque manière qu'elle se gouverne, où il y ait plus de 40 à 50 personnes qui parviennent au poste selon commande. Or, comme c'est un très petit nombre, il est facile de s'en assurer, soit en les supprimant tous, soit en les comblant d'honneurs et d'emplois. Mais à titre de président du conseil de Power Corporation, qui compte des milliers d'employés au Québec, qui est fier d'avoir son siège social à Montréal et qui a contribué puissamment à l'économie de la province, il est, je crois, de mon devoir d'affirmer publiquement notre position vis-à-vis de la proposition du présent gouvernement dans son référendum. Après l'élection du Parti québécois en 1976, j'ai encouragé les chefs d'entreprise à rester au Québec et à faire face aux nouveaux défis qui nous étaient posés, tout en condamnant l'option indépendantiste du Parti québécois. Depuis, nous avons subi les années d'inquiétude et d'incertitude économique,
causée au Québec et au Canada en partie par un référendum qu'on a trop tardé à déclencher. Les quelques 30 années que j'ai consacrées au monde des affaires m'ont démontré que les Canadiens français ont la possibilité de participer pleinement à tous les aspects de la vie canadienne. All capitalist people of the Greek community want strong to know why. I am worker and I want support to French worker because if I support French working and these people have more power, and I have power too. For this is another example for vote yesterday. Yeah. Me too. I remember for my country 14 years ago, anytime the elections come, the big boss in the factory call everybody lunchtime in the backyard and tell to everybody to vote about the rich people, eh? But the time my boss told me to vote same his vote, I'm not supposed to vote the same. I'm supposed to go another side because I don't have the same money he's have, eh? Mm-hmm. That's why. Mm-hmm. And now all the monopolies close me the vote, no, why? Mm-hmm. I can explain that, but I understand I'm not supposed to go with the boss way with all capitalists and the monopolies. I'm supposed to go with the size of the worker people. Mm-hmm. I work and all the French people work. Why all these boss and United States and everyone? No. Everybody. You go any province in Canada, you see something, everybody speak English, but somebody come in the Quebec, so something different. The people speak different language. And supposed to make new law about two ethnics, how you call that? Two nations, because it's two nations. Mm-hmm. 12% the immigrants speak English, 8% English, and 80% is French. Mm-hmm. Altogether 100%, but the 8% is French, and I'm supposed to support the French people, that's why. La souveraineté, pour moi, je m'en fous comme tant grand. Si la souveraineté ne veut pas dire pour moi plus d'indépendance, plus de richesse et plus de liberté. La souveraineté, ça n'a de valeur que dans la mesure où ça nous donne plus de richesse. Je pense que c'est très, très difficile pour un peuple qui n'est pas dans la misère, qui ne connaît pas trop de merde, disons, de prendre une décision, de prendre un risque, quoi. Ouais. Je pense que, comme, je ne sais pas moi, l'Algérie, la Tunisie, ces pays-là, ben, c'est anormal. Ouais. Tu sais, comme ici, même un gars qui est sur le bien-être social ou sur le chômage, chômeur, ben, il a peur de perdre des petits pays qu'il y a. Mais pour la personne qui n'est pas au chômage, qui est bien nantie dans la vie au point de vue intelligence, au point de vue chance aussi peut-être, et qui en fin de compte se trouve de l'emploi assez facilement, se trouve un bon emploi, il est bien rémunéré, il est satisfait assez de son sort, il veut l'améliorer, mais ça va venir graduel de par son intelligence. Qu'est-ce qu'il peut gagner lui, dans tout ça? Il n'y aura pas un deuxième job, il n'y en a pas besoin de deuxième job. T'sais. Non. Le chômage, pour lui, ça ne l'inquiète pas. Antérieurement, on donnait plus qu'on recevait, mais dans le moment, on reçoit plus qu'on donne. C'est vrai. Alors, du jour au lendemain, si on répatriait, du jour au lendemain, ça ne veut pas dire le 20 mai, si on répatriait ces argents-là pour essayer de les administrer, on aurait moins qu'on a là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, il y a des services qu'on va quand même garder en commun. Oui, c'est ceux qui vont être payants. Oui. Est-ce qu'on ne sera pas obligé de payer le gros prix pour les garder, ces services-là? Pourquoi? Donnez-moi un. Mais je ne sais pas. Les marchés, la pièce, si vous voulez. Bon, leur argent. Ils parlent toujours de l'argent canadienne. Fait l'argent, le même argent. Comment on peut avoir le même argent? Contre nos autres provinces, ils vont dire « OK, Québec, on va vous aider pareil. » C'est impossible. Les hommes oublient plus vite la perte de leur père que la perte de leur argent. On peut pas être indépendant. On a besoin. À part de ça, penser qu'on peut être souverain, faire tout ce qu'on veut, mais
que notre argent soit le même argent que tout le Canada, ça, c'est pas acceptable. Qu'est-ce qu'ils pensent, non, dire une chose comme ça? Ça se fait pas, ça se peut pas. Les États qui ont été créés dans la servitude éprouvent non seulement de la difficulté, mais une véritable impossibilité à se constituer de manière à pouvoir vivre libres et tranquilles. Comme un Québec souverain devrait payer 80% de sa consommation d'énergie en devises devenues étrangères et qu'il perdrait d'énormes transferts fiscaux, il ne pourrait maintenir la parité de sa monnaie qu'au prix de sévères restrictions au commerce, au tourisme, ou à l'exportation des capitaux. Le Québec ne peut pas être séparé du Canada. Il le pourrait, mais à quel prix? Je dis, les deux options sont valables, à mon avis. Mais il y en a une qui coûte beaucoup trop cher et qui n'est pas nécessaire. En tout cas, m'envoyez mon résumé, mais le jour qui pourra me répondre à quel prix, je voterai oui. Pour aller jusqu'à 100, 125 à 150 000 piastres. 1 milliard 127 millions. 200 millions. Ça fait à peu près 1000 piastres par année par famille. 636 piastres par personne. 1000 piastres par famille de plus. 300 piastres par personne. 50 millions de dollars seulement qu'en 80-81. 350 piastres par citoyen. 15 milliards de dollars à peu près. 600 piastres par personne. De pas 5, mais 10 millions. 400 millions. Les anglophones, ils gagnent 7 009. C'est 12 % ça. Par rapport à 90 millions à peu près. Aux États-Unis, à côté de chez nous, 13%. Moi, je dis que c'est 680, peu importe. En Angleterre, 12%. C'est 11% de nos revenus. En France, 10%. Les Allemands, 8 396. Ça a augmenté de 760%. Les Juifs, 9 506. 35% de notre production laitière. 26%. 50 cents in a dollar. Les Italiens, 6 214. 14 milliards d'annoncés. Ça veut dire que c'est 4 milliards de plus, ça. Quelque chose qui marche pas là-dedans. J'ai dit, il manquerait 680 millions. 4 à 5 millions. Ça représente 10%. 10%. Des fois de 50%. Où on paye 50%. 50 sous de tout dollar dépensé. Ils ont sacré 400 millions. 250 piastres. 23 millions. Est-ce qu'on le ramène ici, 10 millions? 10 millions, sans nous demander notre permission. C'est nous qui le payons. Est-ce qu'on le laisse en bas, 10 millions? 116. Ça, c'est de la profession. Ça prendrait 2 piastres. Permettez-nous de ramener. On a tout ce qu'il nous faut. 4 millions et un peu plus. Mais qui s'y va les payer, les 4 millions, hein? Dites oui maintenant, puis vous paierez plus tard. Ben moi, je dis non, puis je paierai pas plus tard. Non! Non à la séparation! Non à la fraude! Non! Non, mesdames, messieurs, j'ai fait ça pour conserver mon pays, pour bâtir mon pays, comme mes ancêtres l'ont fait, pour bâtir un pays de liberté que nous avons présentement et que je veux continuer à conserver pour moi, ma famille, ma femme, mes enfants, puis mes descendants. Et je remercie ma mère de m'avoir donné naissance dans ce pays de liberté. Eh bien, je veux que mes enfants et que mes descendants continuent à profiter de ce pays de sécurité et de liberté qu'est le Canada. Et c'est pourquoi, mesdames et messieurs, le 20 au soir, ça sera un triomphe pour la liberté, un triomphe pour la prospérité, un triomphe pour le maintien d'un Canada uni dans lequel le Québec pourra prospérer avec fierté et dignité. Merci beaucoup et bonsoir.
ira faire un tour aux plaines, sur les plaines d'Abraham dans la nuit du 20 au 21 pour essayer de voir si les esprits vont nous parler en nous disant « Mais Chris, on est mort rien que pour ça. Si vous avez attendu tout ce temps-là pour juste faire ça, c'est aussi bien de passer comme tous les peuples qui ont été effacés par la civilisation nord-américaine, the American way of life. C'est-à-dire, ils ont effacé les Japonais après la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont effacé tout ce qui était le mode de vie des Amérindiens. Il y en a combien d'autres? Les Aztèques, les Mayas, tu sais. Ça en sera une de plus qui était de toute évidence pas assez forte. Je vais me nourrir de d'autres rêves que de rêves d'une collectivité qui s'assume ou qui s'articule ou qui se prend en main puis qui arrête de niaiser. Là. Je me vois pas. Je trouve ça inconcevable ensuite d'aller rencontrer d'abord des Canadiens anglais, ensuite des Américains et n'importe qui d'autre dans le monde en disant « Oui, je suis un Québécois », ils vont dire « Ah oui, vous avez dit non, vous autres. » J'imagine un Noir en Afrique du Sud ou au Zimbabwe qui avait rien, il y a un petit corps, une paire de shorts, puis qui menaçait de se faire tuer. On n'a pas l'armée ici, nous autres. Là, et lui, il a dit « Non, certains de l'indépendance, puis vous allez me tuer, mais mon frère va continuer. » On n'a même pas ça, mais... Les gars se disent « Oui, mais nos chèques de pension, puis nos chèques de vieillesse, puis qu'est-ce qui va arriver à notre argent? » Puis tu dis « Bon, réglez ça pour vous autres, là, puis sécurisez-vous la ouate jusqu'aux oreilles. Qu'est-ce que tu veux que ça me sacre, moi, pas ce que ce monde-là vont penser, ce qu'ils vont voter? » Ils vont continuer à voter sur des affaires comme ça. C'est un signe très clair de la non-viabilité de ce peuple-là. Ça fait depuis les années 60 qu'on dit au reste du Canada qu'on est une nation puis qu'on est un peuple, puis que ça se distingue d'être juste une... Tu dis non, on est en train de bullshitter tout ce monde-là, c'est pas vrai. Parce que quand ça vient le temps de dire oui, OK, on se tient debout, le monde, la première chose qu'il dit, c'est combien ça va coûter? Non, ça, c'est trop cher. M'excuse, moi, j'aime autant rester assis. Tu dis bon, rester donc assis, peut-être bien, là. Là, c'est du monde qui vont me dire ton rêve, ça coûte trop cher. Moi, je te dis non tout de suite. Réveille-toi, là. Puis, ça rêve plus. Lose your dreams and you will lose your mind. Tu sais ce que tu disais par rapport à que tu étais parti en 59? Je suis revenu 4 ans plus tard et le changement au Québec était tellement encourageant que ça donne envie de continuer. Chris, ça fait 16 ans de ça, mon chum. On est encore dans la marge. Tellement peu 16 ans dans l'histoire d'un peuple. Ben oui, mais moi, là, je suis pas ici depuis 150 ans. J'en ai peut-être encore 15-20 à vivre. Puis, moi, être un Canadien anglais en tant qu'interlocuteur avec une partie qui, pendant 20 ans, m'a niaisé en me disant « Écoutez, on veut plus, on veut ici, fourrer toutes les conférences fédérales provinciales, bloquer la charte de Victoria, bloquer tout de fond en compte. » Tu dis « Bon, OK, là, branchez-vous, faites de quoi? » Puis là, tu dis « Ben non, mais on va peut-être se réessayer. » Je dis « Écoutez, là, vraiment, là, vous, ben non, vous dites oui ou ben non, vous dites non. Mais si vous dites non, ben là, vous allez vous écraser puis on va vous dire où aller. » Si c'est le nom qui rentre, ben, on va se faire rabattre ben net. Puis le mot de quoi, qu'est-ce que ça va être un Québécois à l'échelle du Canada? Ça va être ce que c'est que le président de la compagnie d'Ontario a dit à Windsor, une gang de trucs de cul. On va pas s'occuper des affaires, puis ils sont prêts à manger de la merde, parce que ça va les quitter un cul, puis continuer à travailler. Je trouve ça triste d'un pays qui a plus de rêve. De quoi tu veux qu'on rêve après ça? Tu sais, ça fait 20 ans qu'on rêve de ça, cette affaire-là, puis elle est là, là. Puis on s'est brûlé bien là. Je vote pour les noms. Pourquoi tu votes pour les noms? En votant pour les noms, je donne mon appui aux gens qui m'ont aidé, qui m'ont accepté quand j'avais besoin d'être accepté. Je n'étais pas accepté par les francophones, je n'étais pas accepté par les Québécois. Je ne suis pas, même aujourd'hui, accepté par les Québécois. Quand j'avais besoin d'être accepté, c'est les anglophones qui m'ont accepté, c'est les anglophones qui m'ont ouvert les portes de leurs écoles. Et comme ça, aujourd'hui, je donne mon appui aux gens qui m'ont accepté là. En savoir que, bon, je ne veux pas être encore débranché. Quand j'ai devenu citoyenne canadienne, j'ai dénoncé mon pays, j'ai pris la citoyenneté canadienne. C'est ça mon pays, le Canada. Bon, je ne veux pas encore avoir un autre pays que c'est inconnu pour moi. Je ne sais pas qui et quoi va arriver avec une séparation. Et l'inconnu m'a fait peur, toujours. Comme je t'ai dit, c'est depuis 1973 qu'on avait toujours la question. Puis voilà, demain, la maudite journée qu'on doit voter. Et
L'après-demain, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Est-ce que ça sera... Si ça sera oui, c'est... Bon, nous, les Québécois, toi, les migrants, Fantayel. Si ça sera non, bon, maudit immigrant, c'est ta faute qu'on n'a pas gagné. D'un côté ou de l'autre, l'immigrant va perdre. Va le frapper. Tu es sûr de ça, toi? Oui. Oui, parce que j'ai vu... Ça fait quoi? Trois ans maintenant qu'ils avaient le... Saint-Jean-Baptiste qu'ils ont fait sur les montagnes, puis tu voyais tous les Québécois marchant sur la rue Mont-Royal, les Québécois aux Québécois. Bon, je me trouvais là, puis je me demandais qu'est-ce que je fais là. Je ne pouvais pas parler, ils avaient des gens pas mal sous partout, puis moi, je ne savais pas qu'est-ce que je faisais là. Comme ça, je rentrais dans la maison d'un de mes amis, puis je restais là en regardant les autres. Mais toi, tu ne peux pas te dire que tu es Québécoise? Non. Je suis immigrant. Mais tu ne peux pas penser que dans ce pays, comme immigrant, tu peux prendre une place qui est à l'intérieur du Québec. Tu n'arrives pas à... Mais qu'est-ce que je connais de Québécois? Quand ils ne sont pas prêts à me prendre, à me dire, à me montrer des choses. Et en me donnant, pas en me donnant, mais en m'expliquant des choses, ils vont me montrer qu'ils m'acceptent. Je connais rien. Qu'est-ce que je connais des Québécois? Qu'est-ce qu'ils m'ont montré jusqu'à maintenant? Tu n'es pas catholique, tu ne peux pas rentrer dans nos écoles. Aujourd'hui, que mes enfants sont là, ils doivent rentrer dans les écoles catholiques. Puis nous, on vote pour la vie. On ne vote pas pour la survie de notre petit confort et de nos supposés chèques d'assurance maladie. On vote pour tout. Pour notre royaume, pour ma maison, pour mes enfants. Et c'est la première fois de ma vie que je sens que je pose un geste pour ma fille. Et puis pour mon garçon. Et quand je me suis trouvé avec mon bulletin de vote dans la main et mon crayon, je sentais bien que ce n'était pas une élection fédérale comme les autres où mettre le X là ou le mettre plus bas, ça ne change rien. J'avais mon crayon. Je voyais le oui, je voyais le non, puis je me disais, pourvu que le oui change pas de place avec le non, puis que je le mette à la bonne place. J'avais tellement peur de mettre ma croix à l'extérieur du... Je tremblais. Je tremblais quand j'ai voté. C'est la première fois de ma vie que je vote. Réellement. Très ému en votant. Je trouvais ça merveilleux. D'autres, les Canadiens, on taponne, puis à un moment donné, la première fois qu'on s'est aperçu, tout est passé, tout est fini, tu sais. La cause d'un Québec résolu à continuer de se développer librement dans un fédéralisme canadien renouvelé. Vient de remporter ce soir une très grande victoire. Le peuple du Québec a refusé au gouvernement actuel du Québec le mandat que celui-ci demandait pour négocier la souveraineté association avec le reste du Canada. Il a du même coup dit non au mandat de négociation. Il a dit non à la souveraineté association. Il a aussi dit non à la méthode qu'on avait employée pour lui extorquer un consentement qu'il ne voulait pas donner. Nous vivons la démocratie dans ce qu'elle a de plus beau et de plus grave à la fois. Après des semaines de campagne référendaire, le peuple a parlé. Et les Québécois ont choisi majoritairement de rejeter la souveraineté association et d'opter pour la voie de la fidélité au Canada. Ayant moi-même combattu depuis si longtemps pour le triomphe de la cause canadienne, je devrais me réjouir sans réserve des résultats obtenus. Pourtant, je ne peux m'empêcher de penser à tous ces tenants du oui qui se sont battus avec tant de conviction
et qui doivent ce soir remballer leurs rêves et se plier au verdict de la majorité. Et cela m'enlève le goût de fêter bruyamment la victoire. À mes compatriotes du Québec, blessés par la défaite, je veux simplement dire que nous sortons tous un peu perdants de ce référendum. Si l'on fait le décompte des amitiés brisées, des amours écorchés, des fiertés blessées, il n'en est aucun parmi nous qui n'ait quelques meurtrissures de l'âme à guérir dans les jours et les semaines à venir. Certains estiment qu'un prince habile, quand s'en présente l'occasion, doit subtilement nourrir contre lui-même quelques inimitiés, afin que, les ayant matés, il sorte grandi de l'affaire. Des hommes, on peut généralement dire ceci. Ils sont ingrats, changeants, hypocrites, ennemis des difficultés et amis de l'argent. Tant que tu soutiens leur intérêt, ils sont tout à toi. Ils t'offrent leur sang, leur fortune, leur vie et leurs enfants. Pourvu que les épreuves soient éloignées, si elles se rapprochent, ils se révoltent. Le prince qui s'est fondé entièrement sur leurs paroles, s'il n'a pas pris d'autres mesures, se trouve nu et condamné. C'est dur, ça fait plus mal. Ça fait mal plus profondément que n'importe quelle défaite électorale. Je sais de quoi je parle. C'est une erreur de compter avec trop d'assurance dans une entreprise périlleuse sur l'appui et les secours de la multitude. Cette victoire du non, même si je dois répéter, parce qu'on s'en souviendra à ce point de vue-là, qu'elle est peu reluisante sur le plan du contenu comme sur celui des méthodes, et en particulier cette campagne scandaleusement immorale du fédéral lui-même. C'est la victoire qui donne de la réputation à un prince, pas la manière de vaincre. Les grands hommes appellent honte le fait de perdre, et non celui de tromper pour gagner. Acceptons le résultat, puisqu'il le faut. Et lâchons pas, et ne perdons jamais de vue un objectif aussi légitime, aussi universellement reconnu entre les peuples et les nations. Et j'ai confiance qu'un jour, il y a un rendez-vous normal avec l'histoire que le Québec tiendra. Et j'ai confiance qu'on sera là ensemble pour y assister. Mais j'avoue que ce soir, je suis bien mal pris pour vous dire exactement quand ou comment. La seule chose que je voudrais ajouter, c'est ceci. Avec la même fondamentale confiance en nous, et tenant compte du fait que demain, il faut continuer à vivre ensemble, et qu'il y a très évidemment de grosses divisions entre nous, est-ce qu'on pourrait terminer un peu cette soirée en chantant pour tout le monde ce qui reste la plus belle chanson québécoise, à tout, sans exception, à tous les gens de chez nous. Si quelqu'un voulait l'entonner, moi, les gens du pays, moi, je ne suis pas tout à fait en voix. Je suis déçue, vraiment. Je pense que les Québécois n'ont pas osé. Je sais pas.
puis la 5, quand on vient de voir, là, ça me rappelle chez nous, parce que on a un sentiment d'être trahi quelque part. Et puis nous, on a passé par là, et puis c'est pas drôle. Je pense que... Mais je m'attendais plus que les Québécois, je m'attendais qu'ils seraient plus en faveur de ce changement, parce que ça les concerne premièrement. Je sais pas. Bon, ça prend peut-être une certaine expérience comme peuple, une certaine expérience politique pour voir à travers de tout ça d'où ça vient et à qui ou bien de qui les intérêts ça sert finalement. Je ne sais pas. I was expecting French people to vote more yes, but the results show that they were not ready to accept the change for now. Let's hope à la prochaine. C'est certain qu'on va recommencer. C'est certain que... Alors la prochaine fois, il faut faire plus attention. Parce que les patrons, on les aura pas. OK? Alors il faut au moins avoir les travailleurs. C'est ça, parce que finalement, parlant de l'establishment, de la bourgeoisie, même la bourgeoisie francophone québécoise, elle est très bien. Elle a appuyé le nom. Pourquoi changer? M. Trudeau n'est pas ni immigrant ni travailleur. Il est très bien là où il est. Et puis, à son niveau, il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit. Mais ceux qui sont moins satisfaits, c'est eux autres qui veulent des changements. Alors... Today, I think and I see only workers' people vote support him, yeah. to Mr. Lévesque. Yeah. If the hopes this go out, Mr. Lévesque killed himself politically. Mais en partant de Montréal sur l'autoroute, je me suis trompé de chemin. Puis je voyais les panneaux. Bois brillant, puis Mascouche, puis Terrebonne. Je les voyais fuir, puis je sentais que tout ce que j'avais rêvé pour le Québec, c'était un château de cartes en plaquettes de verre, puis que tout tombait, tout partait, tout s'en allait. Et je me sentais comme si je mourais. J'ai pleuré dans la voiture devant les enfants. Je sanglotais comme si c'était la mort de ma mère. Je sentais les panneaux partir derrière moi. Puis je sentais que tout tombait, tout avait foiré, qu'on n'avait même pas la majorité des Québécois derrière nous. Ma femme a essayé de me consoler un peu. Puis... on est allé voir un autre ami près de Terrebonne. J'ai mal dormi, je dors bien mal depuis. Des tas de choses dans mon âme. Pris de révolte, puis de tristesse, puis de haine, puis de déception, puis... Je commence à penser à la mort un peu plus souvent maintenant que j'ai des cheveux blancs. Il y a une certaine dignité de la vie qu'il faut. Pour bien mourir. Je veux pas mourir étant celui qui... à qui qu'on a écrasé, qu'on a réduit à une autre image que la sienne. J'ai droit à ma vie, comme tout le monde. Je suis désolé, c'est tout ce que j'ai dans le cœur en ce moment. Mais me demande pourquoi ils ont eu peur. Ah oui, ils ont eu peur. Garde sur mon bord, moi. Sur mon bord, moi, j'ai de mes soeurs qui gagnent 40 000 piastres par année. Ils ont eu peur. Je sais pas. Je lui ai demandé pourquoi tu as peur. Elle dit, c'est un bien bon gouvernement, mais elle dit, on veut pas qu'ils fassent l'indépendance. Oh. Tes frères, c'était pareil.
Mon beau-frère, ben lui, il voulait pas perdre sa pension de vétéran. Ben, c'est ça, moi, que Christiane, quand elle t'a appelé, qu'elle disait. Ouais. Elle trouvait ça lourd. Elle trouvait ça lourd. Elle avait envie de pleurer, elle aussi. Tout quasiment. Ouais. Ah, oh, moi, je pense que la gang du oui, c'était les patriotes, hein, maudit. Oublie pas, hein, ça fait aussi mal au pauvre. Ça fait aussi mal que reconnaître 100 ans après que Louis Riel avait raison. Parce qu'hier, il n'a eu en masse les coups de Louis Riel. Il n'a eu en masse. Mais moi, je sais qu'en tout cas, hier, les Québécois, ils ont manqué deux coups. Parce que il faut là qu'ils y pensent. Une occasion de même, ça, ça n'aura pas ça à toutes les générations. C'est pas vrai? Oui. C'était la seule chance qu'il y avait, puis ils l'ont laissé passer. Quand c'est que ça va revenir, ça? Ah, j'ai écouté René Lévesque qui disait qu'il y aura une prochaine fois. Mais une prochaine fois démocratique de même. Aux élections. Oh, je ne sais pas s'il y aura une prochaine fois démocratique de même. Pas prêt à dire ça, là. Ça aurait peut-être bien été mieux si ça n'aurait pas été si démocratique aussi. Ça aurait peut-être bien été trop doux, les affaires. On était trop honnête, c'est attendu. Ouais. On calculait, mon vieux, que le loup n'aurait pas été si vorace. Garde de puis que les Québécois seraient non, eux autres, comment ils ont été sales? Ah, ils ont été voraces, ouais. Énormément. Ça aurait peut-être bien fallu qu'ils fassent pareil. Ah, comme les indécis. C'est une naïveté, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur, c'est une naïveté. Parce que dans le temps de nos pires, il n'y a pas des larmes. Mais... Regarde, site, mais qui donne en voie, qui n'a pas été voté. 155, il devait avoir au-dessus de 260 à Rochebeaucourt. Il y a une gang qui n'a pas été votée. Mais... Écoute, le système, il est arrangé pour faire oublier le grand problème. Même toi, ça fait 5 mois qu'on est dans le hockey. Tu penses pas que c'est pas plate à la mort? Non, c'est le contraire. Pour toi, c'est le contraire, parce que c'est le seul des ennuis que tu calcules que t'as, le sport. Non. Mais dans la vie, tu vas t'apercevoir qu'il y a que les vedettes qui gagnent des millions, toi, tu gagneras rien. Dans le temps qu'il court après une rondelle de 10 cents, fais bien attention, tu sais, ouvrir de donner des packs jack à 5 piastres de l'heure dans la boîte aux genoux. C'est une rondelle d'auto. À des périodes de l'année convenables, le prince verra à distraire ses peuples par des fêtes et des spectacles. Il donnera de lui-même des exemples de magnificence et d'humanité. Alors vous, comme les Canadiens, en conclusion, pour en tout cas un certain temps, vous au niveau politique et le Canadien au niveau sportif, vous pensez là, que vous allez faire partie du paysage? Je pense qu'étant donné le mandat de 4 ans, on peut encore se donner rendez-vous pour un an. Merci beaucoup. Merci. On dit les champions. Puis tu te ramasses encore ici, t'es à l'hôtel de ville, là, à saluer le monde. C'est pas la dernière fois. On va revenir encore l'an prochain. Oui, parce qu'on a un Moses de fun, nous autres, j'espère. Ben, it's a difficult year because everybody was working hard without all the injuries we had this year. Yeah.
Il y a plein partout, il y a pas de centaines de téléphones. Ah ouais. La plate, les cerveaux-là. Ça comptait pas mal, tu sais. Tu vois, puis il y a un camouflage de plus, hein. Oui, d'ailleurs, il est très bien joué sur la série. Ok, Mario. Venez voir le monde au Floralie. Il y a du bon temps au Floralie. Là, il y a de l'action, puis des amis. Là, il y a de la vie. On aime ça de même. On aime ça de même. On est bien là. C'est la bonne vie. On connaît ça. On sait ce qu'on veut. Une bonne 50. Une bonne 50. On aime ça de même. Partout sur Terre, chez les faibles comme chez les puissants, une relation existe entre la présence des fleurs et la qualité de vie. Once more, Montréal reveals its destiny of a great international metropolis. Mais à l'intérieur, les premières Floralies internationales à être tenues en Amérique. Les premières Floralies internationales à être tenues en Amérique du Nord sont inaugurées à Montréal. Les premières Floralies internationales à être tenues en Amérique du Nord sont inaugurées à Montréal. Monsieur Vervain, le consul général d'Espagne. Félicitations, monsieur. Madame Vervain, monsieur le maire, madame Molly, madame Garon, monsieur Garon, monsieur le consul, monsieur Vervain. Gouverner, c'est mettre vos sujets hors d'état de vous nuire, ou même d'y penser. Ce qui s'obtient, soit en leur ôtant les moyens de le faire, soit en leur donnant un tel bien-être qu'ils ne souhaitent pas un autre sort. 7. I am 27. B. 6. B. 6. N. 41. N. 41. E. 21. I am 21. E. 30. I 30. N'oubliez pas, mesdames, messieurs, s'il y a des personnes qui désirent des cartes vertes pour jouer les 15 tours et gagner tout à l'heure un tour spécial gratis de 2000 piastres, achetez vos cartes des hommes à chaque téléphone, à chaque section. Moi, je pense aussi bien qu'on devienne les gentils French Canadiens qui font que le Canada se distingue des États-Unis puis qui gardent Québec comme une ville, un cute resort place pour les Américains en quête d'exotisme ou je sais pas quoi. Le Canada est possible, mesdames, messieurs. Il est non seulement possible, il est tellement joli. Je le sais, je l'ai visité. Pas moi, mais un de mes amis. Il a vu les maritimes et les pêcheurs de smoked meat. Il a vu le Québec et ses centres d'achat si pittoresques. Il a vu les champs de spaghettis dans les provinces des prairies. Il a vu l'Ontario et ses... Il doit y avoir quelque chose en Ontario aussi, mais qui nous échappe. Le Parti Rhinocéros réalisera l'unité nationale, mesdames, messieurs, en proposant la loi des deux oreilles officielles qui nous permettra de passer 6 mois en anglais, 6 mois en français et le reste de l'année en vacances. Nos détracteurs s'amusent à nous accuser, mesdames, messieurs, de dire n'importe quoi. Eh bien, juste pour leur faire plaisir ce soir, je dirai chaudron et peut-être. Voilà, chaudron et peut-être, mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs, au niveau économique, notre politique est des plus claires. 3¾% se sent d'une option imaginale qui s'en vend d'une augmentation à 3¾% durant l'année ou peut-être plus tard après. Numéro 14. Ensemble. Si je n'ai pas en moi l'amour, si je n'ai pas en moi
mot d'amour et de bonté redonne confiance. Il est du devoir des princes et des chefs d'une république de maintenir sur ses fondements la religion qu'on y professe. Car alors, rien de plus facile que de conserver son peuple religieux. Et par conséquent, bon et uni. Si je n'ai pas en moi l'amour. Pour être fidèle à Jésus, il faudra vivre dans la communauté, non pas dans celle que moi je veux, mais dans celle que Jésus me donne. Jésus, peut-il me guider sur le bon chemin? Est-ce que c'est vrai que nous sommes bien unis? Est-ce que c'est vrai? Et qui nous unit comme cela? J'aimerais souligner avec beaucoup d'onction d'amour du Seigneur tous les frères de pays de langue étrangère, mais en particulier nos frères anglophones, italiens, espagnols et portugais qui bénéficient de l'interprétation de ces messages. Nous vous saluons et nous vous aimons au nom de Jésus. Aussi, tout ce qui tente à favoriser la religion doit-il être bienvenu. Quand même, on en reconnaîtrait la fausseté. Et on le doit d'autant plus qu'on n'a plus de sagesse et de connaissance de la nature humaine. De l'attention des hommes sages à se conformer à ces maximes est née la foi au miracle, que l'on célèbre dans les religions même les plus fausses. La croix glorieuse de Jésus ouvre tous les chemins, bénissant le Seigneur. Assoyons-nous, frères et sœurs, applaudissons le Christ toujours en nous assoyant. Que vos applaudissements et vos cœurs parlent plus fort que les sièges. J'ai tout en dedans, j'ai tout rajouté, beurre, lavabo, frigidaire, CB, stand de son. Bien les avantages. J'ai un doom, siège pivotant, j'ai de la lumière, j'ai au-dessus de 40 lumières à l'intérieur. Tout indépendant. Ça revient assez cher. C'est le fun. Regarde les détails dans ça, là, on a tous les fils barbelés, les clous dans les planches de grange, tu sais, c'est très, très détaillé. C'est fait par un professionnel. Les hommes sont beaucoup plus épris du présent que du passé. Et s'ils trouvent ce présent à leur goût, ils s'y prélassent et ne demandent rien d'autre. Un foyer qui est fonctionnel, collecté après la chaufferette du moteur. Là, on a pas mal de chaleur. C'est un rack à vin qui est au-dessus du foyer. Pour sortir vos bouteilles. Imitation de foyer de cheminée. Là, c'est une photographie couleur. Le petit bar. Toutes les coupes. Vous avez la télévision. Il y a toit, il a tout été fait en tapis, mais en section de tapis qui a été collé par avec la colle contact. En passant, ça a pris 4 gallons et demi de colle contact. Il y a 26 verges de tapis, à part de la fourrure, puis il y a des autres petits gadgets. J'ai rentré, essayé de rentrer à l'intérieur, voir la chambre à coucher.
allumer un peu de lumière. J'ai un système de son radio AM FM cassette en arrière. La même chose en avant. Panneau de contrôle en haut pour toutes les lumières. J'ai le CV qui est encastré dans le plafond. Les moteurs dans le bateau, c'est des 228. Ça donne pas des 350 pouces cubes. J'en ai deux. Il y a 12 pieds de beam de largeur, si on peut dire. Et juste en fibre de verre, deux moteurs, une board. Assez luxueux. C'est un très bon bateau. Maintenant, en tout cas, contrairement à ce que certains avaient pu penser en 76, nous ne sommes plus un accident de parcours. C'est une erreur de compter avec trop d'assurance dans une entreprise périlleuse sur l'appui et les secours de la multitude. I want to express special thanks to our fellow Quebecers of either English or Anglo-Saxon stock or of the ethnic communities who today, I think, in many ridings have given us eloquent support and have joined in the mainstream of Quebec support which has given us this second mandate. Thank you. Qui veut changer la constitution d'un État libre de manière que ce changement soit le bienvenu et qu'il puisse se maintenir avec l'agrément de tous, doit nécessairement sauvegarder tout le moins l'ombre des anciennes formes, afin que le peuple s'aperçoive à peine du changement. Même si les nouvelles institutions sont totalement étrangères aux anciennes. Car la masse des hommes ne fait guère la différence entre la réalité et l'apparence. Souvent même, l'apparence le frappe plus que la réalité.